C'est une abeille malicieuse, intrépide, espiègle et courageuse. Elle n'a jamais peur de rien, elle met de la joie sur son chemin. Oh, petite Maya l'abeille, fais-nous encore découvrir des merveilles. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu vas partout dans le ciel. Oh, joyeuse Maya l'abeille, libre comme l'air, tu t'envoles vers le soleil. Le juge Cerdabeille va arriver d'une minute à l'autre. Tout doit être parfait. La température de la ruche, le nectar de bienvenue, oh, le pollen d'iris qu'il apprécie tant. Oh, oh, oh non! Mademoiselle Cassandre! Oh! Y a quelqu'un? Oh! Oh, jetons le protocole aux orties. J'y vais moi-même. Ça ne va prendre que 5 minutes. Oh oui, des iris, il y en a ici. Oh 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 oh, nom d'un pot de miel. Au secours, il y a quelqu'un. Oh oh oh, c'est embarrassant. Oh 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 non, je t'interdis de te refermer sur moi, vilaine plante. Oh oh, je dis, va-t'en tout de suite. Comme tu le sais, Ludivine, le juge Cerdabeille vient nous rendre visite. Alors, imaginons que tu sois déjà reine. Ah, super! Je suis reine. Vous aimez ma couronne? Oh. Alors, que conviendrait-il de faire avant que le juge Cerdabeille arrive? Je sais! Je me ferai très belle en mettant une couronne avec plein de jolies fleurs. Oh non, 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 je te l'ai déjà expliqué 100 fois. Tu dois vérifier que tout est en ordre dans la ruche. Oh, et vous deux, vous avez fini de ranger vos alvéoles? Oui, mademoiselle Cassandre. Parfait. Ne savez-vous pas convenablement ranger une alvéole? Regardez-moi cette pagaille. Oh non, j'entends le juge qui approche. Ludivine, maintenant, il faut que tu t'exerces à répéter la danse de la reine. Allez. Votre Majesté, bien le bonjour. Majesté, Majesté. Oh, juge Cerdabeille. Pourriez-vous me dire où se trouve la reine? Ici? Eh bien, elle était ici. Maya, Willy, vous avez vu la reine? Elle était ici il y a 1 minute. Oh, êtes-vous en train de me dire que la reine a disparu? Oh non, c'est un désastre! C'est un scandale! C'est inacceptable! Nous devons trouver une solution et tout de suite! Il suffit d'attendre un peu. Je suis sûre qu'elle va très vite revenir. Oh, voilà ce que nous allons faire. Remplacer la reine par Ludivine? Oh, mais elle n'est pas prête! Elle est trop jeune, trop immature! Vous saurez la conseiller. C'est une reine en formation, après tout. Et vous connaissez la loi. Pas de ruche sans reine. De toute façon, rien ne va plus dans cette ruche. Il n'y a même pas de pollen d'iris pour m'accueillir comme il se doit. Allez me chercher la nouvelle reine. Mais, mademoiselle Cassandre... Alors, c'est vrai? Moi, c'est moi qui vais être la reine. C'est génial, oh là là, je suis trop contente. Moi, j'avais pas envie d'attendre toute ma vie non plus. Wouh, c'est très génial. Bien, je vais laisser votre nouvelle reine prendre ses fonctions. Je reviendrai plus tard pour voir si tout se passe bien. À présent, je vais prendre congé. Je dois aller faire mon rapport au Conseil des Reines. Oh, je le crois pas, c'est super génial! Youhou! Je vais m'éclater comme une petite folle ici! Oh, 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 oh.
Voilà qui va te calmer. Oh, je dois avouer que tu es une plante particulièrement collante. Oh. On a cherché partout dans la ruche, Mademoiselle Cassandre, mais aucune trace de la reine. Viens vite, Willy, on va la chercher dehors. Willy? Oui, je te nomme premier bourdon de compagnie de la reine. À partir de maintenant, tu es exclusivement à mon service. Dommage, je vais y aller toute seule alors. Je dois retrouver la reine. Oh. Willy, ici, maintenant. Bonne chance, Maya. Hop, hop, hop. Regardez-moi! Joli plongeon! Alors, tu l'as trouvée? Non, je suis désolée. Je cherchais dans toute la prairie. Je me suis dit qu'elle était peut-être rentrée à la ruche. Maya, cette nouvelle reine n'est pas si mal, après tout. On a joué à plein de jeux et on a passé toute la journée sans faire aucune corvée. Tu te rends compte? Quoi? Personne n'a travaillé dans la ruche pendant toute la journée? Majesté, voilà votre gelée royale. Ah, enfin! Je mourrai de faim. Willy! Je te nomme aussi mon goûteur, donc tu dois goûter une cuillère de gelée. Tiens, avale. Délicieuse. Berk, tu l'as pas bien goûté, Willy. Peut-être que si j'en goûtais une cuillère un petit peu plus grosse. Non. Apportez-moi un autre calice, immédiatement. Ludivine, vous ne devriez C'est pas... C'est votre majesté Ludivine, maintenant. Votre majesté Ludivine... Vous ne devriez pas gaspiller la gelée royale comme ça, sinon il n'y en aura plus assez pour nourrir les larves. Oh là là, on va pas en faire toute une histoire. Oh, on n'aura qu'à s'en inquiéter demain, non? Oh, ma pauvre ruche. J'espère quand même que tout va bien malgré mon absence. Majesté! Oh, les réserves de la ruche sont presque épuisées. Vous devriez remettre la ruche au travail. Vous avez raison, il n'y a même pas assez de pollen pour finir la journée. Il va falloir se rationner. Hein? Se rationner? Tu veux dire faire des repas plus petits? Votre Majesté! Votre Majesté! Oh, est-ce que vous voulez bien m'écouter? Oh, quoi encore? Touché! Je suis plus en train de jouer. T'as pas remarqué, peut-être? Votre Majesté, nous avons un problème. Nous n'avons plus assez de nourriture. Votre fête d'hier a épuisé toutes nos réserves. Alors, forcément... Eh bien, il ne reste plus qu'à reconstituer les stocks. Et puis c'est tout. Oui, mais les ouvrières ne travaillent plus du tout. Oh, le travail! Vous ne me parlez que de travail, de travail, de travail! Moi, je veux que mon règne soit celui de la joie, de la fête! Mais... Laissez-moi tranquille, vous n'êtes pas drôle! Et moi, je veux m'amuser. Restez avec Ludivine et essayez de l'empêcher de faire d'autres bêtises. Moi, je vais tenter de remettre un peu d'ordre dans la ruche. Oh, Maya! Willy! Est-ce que vous savez danser? Moi, j'adore ça! Il me semble que je suis allée partout. Je suis allée au champ de liseron, au champ de pâquerettes... Oh, Maya, arrête de parler de fleurs, s'il te plaît. Mon estomac, arrête pas de gargouiller. Rien que de penser qu'il n'y aura bientôt plus rien à manger dans la ruche. Oh, tout ça à cause de ce juge. Rien ne va plus dans cette ruche. Je n'ai même pas eu mon pollen d'iris, blablabla. Ah, mais oui, bien sûr, le pollen d'iris. S'il n'y en avait pas pour le juge cire d'abeille, c'est que quelqu'un avait dû l'oublier. Et là, la reine a certainement dû aller en chercher. Occupe-toi de Ludivine, je vais chercher la reine. Votre Majesté ?
Votre Majesté! Youhou! Votre Majesté! Au secours! Je suis ici! Venez vite! Oh non! Votre Majesté, est-ce que vous allez bien? Eh bien, on peut dire que j'ai eu des jours meilleurs, mais ça va. Oh, attention, c'est très collant, hein. Accrochez-vous bien, Majesté. Oh, merci, Maya. Dépêchons-nous, on doit vite retourner à la ruche. Il y a une jeune reine qui a pris votre place. Quoi? Oh, votre Majesté, enfin vous voilà, vous êtes revenue saine et sauve. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis de retour à la ruche pour voir comment vous exercez vos nouvelles responsabilités. Et que vois-je? Des ouvrières qui volent dans toutes les directions, des guirlandes festives qui pendent un peu partout. Et pour couronner le tout, on m'a appris que les réserves étaient presque épuisées. Je vous avais dit qu'elles n'étaient pas prêtes. Oh, votre majesté, vous êtes de retour. Juge Cire d'Abeille, merci de m'avoir remplacé aussi promptement. Justement, j'étais en train d'expliquer à cette jeune apprentie que son éducation de reine laissait fort à désirer. Ce sceptre est à vous. Je ne savais pas que c'était aussi difficile d'être reine. Mais votre majesté, vous pourriez lui apprendre? Mais bien sûr, ma chère. Attendez, Majesté! Je suis votre royal goûteur maintenant. Vous pouvez la manger. Une gelée au goût de violette pour une reine parfaite.